Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui cette recette traditionnelle de la temnita, comme on dit, ou plus connue sous le nom de temmena. On commence par faire griller de la semoule moyenne sur une poêle à feu moyen. Surtout, faut pas augmenter le feu parce que ça va brûler la semoule et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche juste une couleur qui est bien dorée. Voilà. On mélange de temps à autre. Comme ça, on aura un mélange qui est bien doré. Et pour cela, il nous faut 125 g de beurre, 125 g de miel, 175 g de semoule moyenne grillée. Voilà, comme cela. Et 75 g de mélange d'amandes grillées plus de grains de sésame et un peu de cannelle. On commence par mixer les grains de sésame et les amandes. Voilà. Alors on mixe pas trop longtemps. On veut quand même garder ces petits morceaux pour avoir ce petit côté croustillant. Moi j'aime ça, tous les cas. Alors on commence par faire fondre le beurre dans une casserole. Comme ceci. On va diminuer un petit peu du feu pour ajouter le miel. Faire attention que le mélange ne commence pas à bouillir, sinon à la fin notre tenta ou temmena elle va durcir. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Voilà, on mélange jusqu'à obtention d'un mélange qui est bien homogène. Après, on verse la semoule en trois fois. Voilà, on verse et on mélange sur trois fois ou un petit peu plus. Ensuite, on ajoute notre mélange d'amandes et de grains sésame. Et la cannelle, bien sûr, ça va apporter ce petit goût en plus. On mélange bien, on retire du feu. On continue à mélanger un petit peu, puis on verse sur un plateau, comme ceci. On étale bien. Après, la décoration, je ne l'ai pas pris en photo, enfin, ni en vidéo en l'occurrence. Mais vous pouvez décorer quand vous voulez. Vous pouvez vous fier à la photo que j'ai postée au début et à la fin de la vidéo. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé. À liker la vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr. Et surtout, prenez bien soin de vous.